la semaine se termine, la semaine de webinaire organisée dans le cadre, en tout cas sur la thématique handicap et travail. Et on avait envie, mais fortement, de mettre à l'honneur Madame Armette, qui a une entreprise que je dirais engagée par rapport en fait, à cet aspect handicap sur la question de la vue, donc pour les malvoyants et non-voyants. Et c'était pour nous voilà, l'occasion de pouvoir vous donner la parole, que vous puissiez nous expliquer un petit peu votre parcours, ce que vous proposez dans votre belle boutique qui est sur la Martinique. Et puis voilà, donc bienvenue à vous et Merci. je vous laisse vous présenter. Eh bien, on va commencer par le plus simple. Je suis Madame Ahmed Catherine, comme cela a été dit. Et oui, je me suis engagée et je continue encore à m'engager le plus que possible pour aider toutes ces personnes qui sont malvoyantes, non-voyantes ou qui ont aussi des déficiences visuelles autres, hein, et qui ne savent pas qu'il existe en fait des possibilités pour les aider à être et rester autonomes dans leur vie de tous les jours. Mon entreprise qui s'appelle L'Optique Autrement, qui est sise sur la place Gaston-Monnerville en Martinique pour l'instant, a pour but de justement d'aider les associations, toute personne en tout cas qui ont un membre de leur famille ou des amis et autres, à trouver les besoins qui lui sont nécessaires pour continuer à avoir cette vie, comme je le disais, pour me répéter, autonome. Pourquoi j'ai créé cette entreprise? J'ai eu à vivre un certain moment dans ma vie une maladie orpheline, je peux nommer le nom, qui s'appelle le B7. On peut aller chercher sur Internet. Et cette maladie, que j'ai toujours appelé et nommé à la troisième personne, parce que quand j'allais voir les différents professeurs qui suivaient, je leur disais qu'elle s'appelait maladie orpheline. Donc, il était clair que qui dit orpheline dit qu'il n'y a pas de maman, il n'y a pas de papa, il n'y a rien. Donc, moi, c'était catégorique dans ma tête. Je ne pouvais pas adopter cette chose. Je me suis battue pendant plus de 15 ans contre cela. C'est une maladie qui commence d'abord par vous donner des aphtes. Donc, à titre informatif, des fois, les aphtes paraissent minimes ou bénins ou rien du tout. On se dit, bon, voilà, j'ai fait une petite infection ou autre. Mais ça commence comme ça. Et au fur et à mesure, c'est une maladie aussi qui touche, en fait, qui est une maladie, ça devient un handicap invisible. J'ai beaucoup aimé justement le webinaire d'hier, dont je parlais. Ce sont des mots invisibles. Tout se passe de l'intérieur. Donc, ça peut toucher le foie, ça peut toucher les intestins, ça peut toucher l'utérus, ça peut toucher. Enfin, il n'y a pas un membre du corps, les organes vitaux, qui ne peuvent pas être touchés. Et c'est arrivé à un stade où ça a touché mes yeux. Et quand j'ai été rencontrer un ophtalmo, j'avais été voir un ophtalmo, celui qui me suivait d'ailleurs en Martinique. Je lui expliquais la situation. Il m'a donné des antibiotiques, chose qui est tout à fait normale. On ne sait pas, on donne des antibiotiques, on pense que c'est une inflammation. Malheureusement, il s'avère que ce n'était pas ce qu'il pensait et qu'il ne pouvait pas s'occuper de moi. Donc, ce médecin m'a demandé de, franchement, hein, de dégager de son cabinet parce qu'il ne peut rien faire pour moi. J'ai accepté tout ce qu'il m'a dit parce que j'ai aimé cet ophtalmo. J'ai apprécié ce qu'il m'a dit. Ça peut choquer, mais j'ai apprécié dans la mesure qu'il n'a pas voulu continuer à me bousiller ma vue. Il y en a d'autres qui auraient été joués dedans, alors qu'ils n'ont pas forcément de réponse, mais l'orgueil fait que je ne sais pas, ils ne vont pas le dire. Mais lui, il a osé me dire dégagez, et je l'ai apprécié. Je lui ai dit merci. Je lui ai simplement dit bon, ben, il vaut mieux me le dire autrement, mais que j'appréciais le fait qu'il m'ait dit qu'il n'a pas, en fait, de manière indétournée pour moi, hein, ce monsieur me disait, je suis incapable de m'occuper de vous, donc allez voir ailleurs. Mais on ne va pas faire vigueur, c'est sûr, l'orgueil, sûr. Oh, on va avancer. Et moi, je suis sortie de son cabinet en encore le remerciant, en payant ma facture et en le remerciant. Et lorsque j'ai terminé, lorsque j'ai terminé comment dire,
cette consultation, je suis allée voir un autre ophtalmo qui n'était pas loin, qui lui a pris le temps non seulement d'écouter, mais je ne leur ai jamais parlé de cette maladie du B7 parce que je ne me l'appropriais pas, jusqu'au moment où il me dit, mais écoutez, j'entends tout ce que vous me dites, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière, une petite maladie orpheline, quelque chose d'autre? J'ai fait, ah, vous, vous avez envie de soigner. Et là, à ce moment-là, je lui ai raconté en fait tout le processus qui s'était mis en place suite à cette maladie orpheline. Et de là, on a commencé les examens. C'est le seul, malheureusement, en Martinique qui a pu prendre le temps d'identifier, de regarder. Donc, il m'a donné un traitement que j'ai commencé. Et quand il m'a parlé de devenir non-voyante, là, mon visage a un petit peu changé à son égard. Vous savez, vous êtes en colère contre une maladie, mais contre la personne aussi qui vous donne l'information. Mais tout ça, ça demande après un travail sur soi. Et je n'ai rien laissé paraître, mais à l'intérieur, effectivement, ça travaillait. Et j'ai écouté ce monsieur, mais il parle. Mais moi, mon esprit était, je viens d'avoir un bébé. J'avais une grande fille, elles ont 10 ans de différence, qui avait 10 ans. Donc, j'étais vraiment dans... Pendant que lui, il parle, moi, je suis en train de voir mon avenir. Mon avenir, ma vie familiale, ma vie professionnelle. Enfin, moi, c'était tout ça qui passait. Juste au moment où il m'a dit, bon, ben, au revoir. Je n'ai pas compris grand-chose. Hein. J'ai simplement demandé à cet ophtalmo, est-ce que vous pouvez tout reprendre, s'il vous plaît? Et je lui ai expliqué, effectivement, où j'en étais dans mon esprit. Et puis, il a pris le temps, il m'a rassurée, il m'a dit, bon, ben voilà, on va mettre les gouttes, on va voir petit à petit, mais vous n'allez pas en guérir. Je lui ai dit, ah bon, ben, c'est la fin de la phrase. Et j'ai continué, j'ai continué mon petit processus tranquillement. Et je suis allée sur Internet faire des investigations. J'ai fait toutes mes investigations sur Internet. Jusqu'à ce que je lise qu'il y a un professeur qui s'en occupait sur la métropole. Et de cela, quand j'ai vu ce professeur, j'ai continué à travailler toujours. Et j'ai pris contact avec lui quand j'étais prête psychologiquement. Donc, j'ai pris contact avec ce professeur qui m'a bien reçu et qui m'a parlé de cette maladie orpheline, effectivement, qu'il traitait, puisque les gens... Il y a peu de personnes, mais on doit être... Alors, si ça a changé, mais nous étions un peu, même pas une vingtaine quand j'ai connu cette maladie, nous étions même pas une vingtaine entre la Guadeloupe et la Martinique. Donc, après ces longs traitements, tout ce que nous avons pu faire, je vais vous passer des petits détails, aller, retourner, tout ceci. Je regardais Dr House, c'est une série que j'aimais bien, que j'appréciais bien. Et j'avais une amie aussi qui aimait bien cette série et qui regardait un jour. Et elle me dit, elle m'appelle pendant qu'on regarde la série, et elle me dit, Catherine, mais écoute, dans Dr House, on parle de cette maladie qui est le B7. Aux États-Unis, ça se soigne parce que c'est dit dans le film. Je vous avoue que je n'ai pas interviewé un C. J'ai été sur Internet, j'ai pris ma carte bancaire et j'ai pris un billet d'avion. Je suis allée directement voir Je suis retournée voir ce docteur sur Paris. Et quand je suis retournée le voir, je lui ai dit, écoutez, voilà, dans Dr House, il a dit que cette maladie du B7 se soigne. Et comme elle se soigne, je veux être soignée. Et il me dit, justement, je pars le week-end prochain aux États-Unis dans un séminaire concernant cette maladie. Et quand il en est retourné, et puis d'ailleurs, il me demande, mais comment vous avez fait pour savoir, patati, je lui explique tout ce qui s'est passé. Et on s'est redonné rendez-vous 3 mois après. Je suis retournée et entre-temps, j'ai commencé à regarder pour ma vie qu'est-ce qu'il fallait que je mette en place si je devenais non-voyante ou si c'était, je m'arrêtais au stade de malvoyance,
comment je devrais vivre ma vie, comment je pourrais boire mon café, mon chocolat, boire mon thé, bref, m'occuper de ma fille. Est-ce que je pourrais avoir au moins un petit peu de lumière pour que je puisse changer ses couches? Je ne savais pas si c'était une maladie qui pouvait... En fait, comme c'est une maladie dormante, donc on ne sait pas comment ça se passe. Ça se fait tout de l'intérieur, donc on ne sait pas si c'est quelque chose qui peut être un processus accéléré ou imminent, ou lent... Fallait vivre avec. Et moi, dans mon processus, c'est que je devais marier mes enfants, je devais avoir une vie professionnelle comme je le voulais. En fait, tout ce que je voulais, ça devait se faire comme je le voulais. Donc, à ce moment-là, j'ai fait toutes les recherches qui étaient possibles. Je déposais tout ce qui était négatif, qui allait contre ma façon de penser, et je ramenais à moi tout ce qui pouvait être positif, et j'écrivais sur un carnet. Donc, en écrivant sur ce carnet, ça me permettait, en fait, de me dire, ça c'est possible, ça c'est possible, ça c'est possible, ça c'est pas possible, mais si je vais tel endroit, ça sera possible. En fait, je cadrais en fait mon esprit et mes intentions afin de pouvoir arriver à un niveau de plénitude où je pourrais vivre pleinement, même si je devais être d'une certaine manière, mais je pouvais vivre pleinement. Et il fallait que j'emmène aussi mon époux à accepter ceci. C'était pas évident pour lui non plus, puisque dans sa tête, il ne parlait pas beaucoup, mais je sais qu'il réfléchissait, qu'il essayait de tout faire pour essayer de m'arranger les choses. Et j'avais une petite qui était bébé et qui voulait parler, et moi, je ne pouvais pas parler, parce qu'entre les aphtes et le fait de ne pas bien voir, en fait, cette maladie emmenait ce qu'on appelle un effet moustiquaire au niveau de l'œil. Alors, pour schématiser grossièrement, j'ai envie de vous dire, vous êtes ici de la moustiquaire, vous êtes couché, vous êtes assis sur votre lit, vous êtes ici et là, c'est votre moustiquaire. Et vous voulez voir à travers la moustiquaire tout ce que vous pouvez voir. Vous verrez à travers, mais vous verrez façon moustiquaire parce qu'il y a la moustiquaire qui obstrue un peu votre vue. Donc, vous n'allez pas voir les choses clairement, mais vous allez les définir quand même et les voir. Donc, quand j'ai poursuivi dans ce système, dans cette intention pour moi d'atteindre une guérison totale, j'ai commencé à chercher des associations, à chercher des entreprises sur la Martinique, sur la Guadeloupe, sur la Guyane et sur la métropole qui pouvaient m'aider. Mais ça a été catégorique, en fait. C'était non-voyant, c'est-à-dire aveugle. Et moi, je me disais, mais il doit avoir un processus avant de devenir, que ce soit malvoyant ou non-voyant. Ce processus est que quoi ? Qu'est-ce que je peux mettre en place ? Comment je peux mettre les choses en place dans ma vie, avec mes enfants, avec mon époux et pour moi-même aussi. Je suis une femme dynamique, autonome, je conduis, je suis dans mon jardin, j'ai mes animaux, c'est-à-dire des chiens. Hein. Et en fait, je vis comme tout un chacun, je m'aime en fait. Je m'aimais et je m'aime. Hein. Et de ça, j'ai dû encore continuer à batailler pour que dans ma maison, ma fille de 10 ans ne me voit pas comme une future maman handicapée et mon époux non plus, ainsi que mes amis. Ce n'est pas que ce soit le terme handicapé en soi qui soit gênant. Il faut comprendre que lorsqu'on apprend quelque chose, la première émotion est « mes épaules tombent ». Et quand les épaules tombent, il y a deux choses qu'il faut savoir faire et prendre. C'est soit je l'embrasse, et je dis, ça fait partie de ma vie, donc ça fera partie, ça fait partie, qu'est-ce que je vais en faire de ça? Soit je laisse ces épaules-là tomber et je laisse quelqu'un d'autre, en fait, décider de ma vie. Et ça, ce n'est pas moi. Ça ne m'entrait pas, en fait, dans mon identité. Donc, je n'arrivais pas à rester, à voir mes épaules tomber. J'étais en colère contre moi-même. J'étais en colère contre tout parce que j'avais l'impression que je devais guérir pour certains et pour d'autres, je devais arrêter de me battre comme je le faisais. Alors, j'ai fait un état des lieux de moi. Je me suis éloignée un peu de tout le monde. J'ai pris quelques jours
dans une chambre d'hôtel et j'avais besoin de me retrouver toute seule. Et c'est de là que je me suis dit, voilà, je suis en Martinique, il n'existe pas de lieu où je pourrais me diriger sans être considérée comme quelqu'un de non-voyant ou bien cataloguée comme, voilà, tu es handicapé et tu vas le rester et que tu vas faire ci, il va faire ça. J'ai refusé catégoriquement ces pensées-là. Dans la chambre d'hôtel, je me rappelle, j'ai libéré un cri qui, un de ces cris d'ailleurs, c'était, je crois que c'est sorti de mon âme, de mon esprit, de tout ce que vous voulez, de mon intérieur, pour pouvoir bien expliquer que c'était un refus. Et de ce refus-là, je travaillais déjà dans l'optique. Donc, j'étais opticienne. J'étais avec mon patron, j'étais responsable de magasin. Et donc, j'avais de quoi, en tout cas, faire des démarches, continuer, affiner, pousser les portes pour que je puisse avoir des réponses. Même en faisant ça, croyez-moi, ce n'est pas évident. Parce qu'en France, quoi qu'on en dise, certains mots peuvent, comment dire, certains mots, on va vous dire, ils ne sont pas, on n'en guérit pas. Le terme, c'est facile, on vous le lâche, c'est fini. Pour eux, ce n'est pas une prise de tête. Et pour vous, c'est vous débrouillez-vous avec. Alors que si vous prenez le taureau, j'ai envie de dire, par les cornes, et que vous partez avec ce désir d'être ce que vous voulez être et qui vous voulez être, voyez-moi que j'ai pris tout simplement ce taureau-là et j'appelle mon époux et je lui dis, bon ben voilà, je ne serai ni une femme abattue, ni une femme violente, mais je serai déterminée. Par contre, ne reste pas sur mon chemin. Si en m'écoutant là, vous allez peut-être prendre ça pour quelque chose de brutal, mais j'avais besoin de ça pour bousculer tout le monde aussi, pour qu'on puisse comprendre que j'ai besoin qu'on me laisse. Pas que j'abandonne, mais qu'on me laisse. Et quand j'ai poussé cette porte-là, ça a bougé tout le monde. Là, à ce moment-là, je prenais mes billets d'avion. J'avais dit à mon mari, étant donné que je ne les ai pas fait toute seule, mes deux filles, donc on met souvent la femme comme étant le poteau mitant, la maîtresse mère de la maison, la ci et la ça. Je lui ai dit, prends ton rôle de père, fais ce que tu as à faire en tant que père et moi, je reste la mère. Mais j'ai une vision très... j'ai une vision d'une vie de couple personnelle et qui disait que je ne suis pas censée être ni le poteau mitant, ni le seau, ni rien du tout dans la vie de couple. Là, quand je ne peux pas, mon mari doit faire et quand mon mari ne peut pas, pour moi, je devais faire. Donc, je lui dis, là, tu t'occupes de tes filles. Là, je n'ai pas envie de m'occuper de qui que ce soit, ni de toi. J'ai envie de m'occuper de moi et j'ai besoin de m'occuper de moi. Et j'ai été égoïste, je l'avoue. Et s'il fallait recommencer, je serais encore égoïste. Parce que c'est là que j'ai pu puiser pour devenir et être ce que je suis aujourd'hui. Donc, de ce fait, il n'avait pas le choix. C'était du genre, si je fais quelque chose, c'est soit Catherine va partir, me quitte, me laisse avec les enfants, soit que... Donc, ça a été une décision vite pour lui. Donc, il a accepté et puis je pense qu'il a compris aussi... quand j'avais besoin de ça. Donc, j'ai pris mes valises, je tapais, je regardais en métropole, j'ai vu les associations des malvoyants, j'ai connu le braille, j'ai vu un peu ce que ça donnait pour le braille, j'ai vu ce que ça donnait pour le matériel, des non-voyants ou des malvoyants, comment on pouvait aider ou pas. Et ça ne répondait toujours pas. On me parle d'une canne, on me parle d'un appareil auditif, on me parle du développement de l'ouïe, on me parle de beaucoup de choses. Je ne dis pas que c'était pas important, mais ça ne répondait toujours pas à ce que je voulais. C'était de rester femme et mère. Et puis aussi une dame indépendante qui pouvait aller au travail. Donc, j'ai continué mes investigations, que ce soit aux États-Unis, jusqu'à ce que j'ai une copine qui est congolaise, mais qui vit en Belgique depuis sa naissance, et qui était venue en Martinique chez moi passer quelques jours. Et quand elle est passée chez moi faire ces quelques jours, je la vois en train de mettre au niveau de ses yeux des gouttes régulièrement et à la même heure. Vous comprenez bien que ça m'interpelle. Étant déjà dans l'optique, je lui dis, mais je ne comprends pas pourquoi tu mets ces gouttes au niveau
au niveau de tes yeux, est-ce que tu as un souci ou tu fais une allergie et autres? Et là, cette personne me dit que non, ma copine, elle me dit non, Catherine, en fait, j'ai un problème d'uvéite. Alors, je lui dis, mais des uvéites internes ou externes? Elle est incapable de me dire, et c'est tout simplement qu'elle a un problème d'uvéite. Et elle me dit, le médecin m'a dit que c'est long, mais au moins ça se guérit. Moi, quand j'étais en métropole, c'est de là que je veux venir avec vous, j'avais le même problème qu'elle. C'était un problème d'uvéite. Alors l'uvéite, vous avez votre cornée, et c'est imaginez un boudin, si vous aimez, que ce soit le boudin blanc ou le boudin rouge, imaginez, ou lambi comme vous voulez. Imaginez ça, et que vous voyez à l'endroit où il y a le boudin, c'est coupé. Je ne sais pas comment on fait le boudin. On met une ficelle là, comme ça, là, pour séparer les différents boudins. Ben, imaginez que mon œil, c'était comme ça. Je pouvais voir, je pouvais regarder, mais il y avait des endroits où c'était tiré, c'est-à-dire que je voyais flou, hein, flou, je vous voyais, mais flou, flouté. Et puis je lui dis, ah, d'accord. Je reprends un billet d'avion, je dis à ma copine, tu restes combien de temps tout compte fait? Elle me dit, Catherine, quand tu me dis ça, ça veut dire que tu as l'intention de partir. J'ai dit oui. Je l'ai laissé faire une petite semaine supplémentaire avec moi, tout ça. Et juste quand elle est partie, moi aussi, j'ai pris mon billet d'avion et je suis partie en Belgique voir un peu ce qui se passait. Et quand je suis allée en Belgique rencontrer ce docteur qui a pris sa retraite, il m'a expliqué que oui, c'était possible de soigner et que par contre il fallait que je sois à un certain moment sur la Belgique pour vivre, pour que je discute et pour vivre un moment par rapport à mon état de santé. Je lui réponds d'accord et entre-temps je retourne sur Paris parce que j'avais dans tout ça, entre-temps ma fille grandit, hein, parce que je vous ai dit durant 15 ans, ma fille grandit, fait ses études et sur la Belgique et elle est sur l'île, donc à 1 heure de l'île, on prend la route, je retourne. Et je vais revoir sur Paris ensuite ce fameux pardon, professeur qui me suit en me disant, je ne comprends pas, en Belgique, il m'a été dit que ça se soigne, c'est long, mais que ça se soigne, et vous me dites non. Et de là, le médecin, il me dit, vous savez, ce n'est pas qu'on ne peut pas soigner, mais nous avons certains médicaments qui n'entrent pas sur le territoire français. De ce fait, je n'ai pas pu être soignée en France. Aujourd'hui, grâce à cette détermination et cet engagement, j'ai poursuivi mon travail. J'ai eu un patron généreux. J'ai envie de dire, il était, j'ai envie de dire, pas tout comme les patrons. Certaines choses, j'ai pris de lui, d'autres pas du tout. Mais j'ai envie de dire qu'il a su avoir l'oreille et l'empathie dont j'avais besoin pour pouvoir continuer à travailler et avoir la confiance dont j'avais besoin pour me sentir non pas importante, mais sentir que ce n'est pas parce que je mène un combat à côté que je ne peux pas faire mon travail correctement. Et j'étais responsable d'une équipe. Donc j'ai pu mener sur tous les fronts mon poste, ma santé, ma vie de famille, ma vie personnelle aussi, parce que j'ai une vie avec des amis, des personnes charmantes personnes que je rencontre, même avec des personnes qui ne m'ont pas forcément fait du bien. Mais je me dis qu'il fallait qu'ils soient sur mon chemin pour des fois soit me booster, soit m'empêcher de sombrer. J'ai envie de dire, des fois, vous savez, on a tendance à grogner parce que quelqu'un vous sort une parole inutile, j'ai envie de dire. Ou bien une phrase hors contexte. Et moi, je dis que tout ça fait partie en fait de la vie pour pouvoir continuer à avancer dans son processus. Et moi, ça a été mon cas. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. J'ai mes deux filles. Bien sûr, je ne peux pas en avoir deux. Je peux pas en avoir. Je peux pas en avoir deux. Je peux pas en avoir trois. Ça s'est arrêté à là. Mais j'ai envie de dire que ça m'a beaucoup apporté. Quand j'ai ouvert mon entreprise, elle va avoir 4 ans cette année, je l'ai ouverte avec un seul désir. Donc, je fais de l'optique, hein, parce que j'en ai besoin. J'ai des enfants
que je traite qui ont entre 7 ans, 9 ans, 10 ans, 16 ans, qui ont eu des glaucomes congénitales, c'est-à-dire depuis leur naissance, hein, il y en a qui ont perdu la vue, qui ont déjà perdu un œil. Il y en a d'autres avec lesquels je travaille, parce que je leur permets, par exemple, un indicateur. Si vous me permettez, je voulais mettre tout ça là, et je crois que j'ai tout déposé à côté, et j'aurais bien aimé vous montrer un peu ce que j'ai. Donc, accordez-moi juste 2 minutes. Ça se fait pas, mais je vais juste vous montrer un peu Il n'y a pas de souci, Madame Armette. Allez-y, on vous Je attend. reviens. Alors, vous voyez ce petit appareil qui est tout petit ici, comme ça là. Ben, ce petit appareil, il a une fonction très importante pour les enfants comme pour les adultes, comme nous-mêmes aussi. C'est un indicateur de niveau d'eau. Donc, vous voulez vous servir à boire, vous ne voyez pas, mais on développe un autre sens. Hein. Alors, au niveau de l'audition, on a un développement beaucoup plus puissant. Donc, à ce moment-là, il y a aussi dans ce même petit appareil un petit, je ne sais pas si je mets comme ça, oui, comme ça, ici, là, un petit bus sonore qui sort pour permettre en fait à cette personne d'entendre quand il s'est versé son eau dans son verre pour lui dire, voilà, le niveau est atteint. Alors, nous avons un petit souci parce qu'il y a une fuite dans la commune, là, ce qui fait que je ne peux même pas prendre de l'eau pour vous montrer. Donc, je pose celui-ci comme ça. Et ici, quand la personne va se servir, une fois que les 3 dents qui sont ici seront touchées, ça va libérer un petit effet sonore afin d'informer que ce soit l'enfant, l'adulte, il a atteint en tout cas le niveau qu'il devrait pour ne pas déborder, ni se faire brûler et ni se faire mouiller dans les deux sens. Mouiller, brûler, ou, de toute façon, c'est toujours de l'eau qu'il y a dedans. Et ça Donc, s'appelle comment? c'est un indicateur de niveau d'eau. Ok, un indicateur de niveau d'eau. Ok. D'accord? Après, vous avez aussi l'indicateur de présence. Ce sont des petites machines comme ceci. Il y a plusieurs modèles. Ce que je vous montre là, c'est ce que il me reste. Mais j'ai plusieurs modèles et les gens, mes Madame clients, Armette, oui. est-ce que je peux me permettre juste parce que effectivement c'était très intéressant par rapport un petit peu au parcours que vous avez eu. Donc en fait vous disiez que votre boutique donc l'optique autrement a 4 ans et que est-ce que vous pouvez nous expliquer donc du coup le choix que vous avez fait par rapport à la création de votre entreprise. Vous Oui, avez c'est donc pour vous ça que je suis en train proposez. de montrer tout ça, parce que c'est D'accord. grâce à tous ces appareils que je suis en train de montrer, que je suis en train d'expliquer qu'aujourd'hui, j'ai pu faire ça. D'accord, C'est c'est-à-dire que en fait, ces appareils, vous aviez décidé de les acheter pour vous, dans un premier temps par rapport à votre parcours, et c'est ça qui a suscité en fait cette Voilà, idée. c'est ce que je voulais Ah, montrer. d'accord. Parce Très que bien. Même si je n'en avais pas besoin pour le moment, pour l'instant présent qui m'était imparti, je n'en avais pas besoin. Mais dans ma tête, je mettais en place déjà quelque chose. Pour l'avant. C'est-à-dire, comme vous avez dit au début, il n'y avait pas de processus ou d'accompagnement avant Non. d'être malvoyant ou Pas du tout. voilà, c'est Il n'y en ça. a pas. Si vous êtes déjà malvoyant ou non-voyant, on va vous caser quelque part et ça sera à vous de dire, voilà, je me sens bien, je fais ça, ou bien je n'ai pas le choix. C'est vous qui allez voir, c'est vous qui allez prendre cette décision, en fait. Moi, j'ai pris la mienne qui était de mettre un processus, quelque chose, pour ne pas, si demain matin je me retrouvais dans la situation, ne pas être prise au dépourvu. Voilà, donc vous avez été complètement proactive, vous n'avez pas attendu. Non, mais d'ailleurs, si on analyse bien les choses, dans tout ce que vous faites dans votre vie de tous les jours, tout ce que vous le faites déjà avec une longueur d'avance. Par exemple, si vous avez envie de, si vous avez envie, comment j'ai envie de dire, je sais pas, vous devez aller sur, on est en Guadeloupe, vous devez aller sur Pointe-à-Pitre.
dans votre tête déjà, vous avez déjà prévu hein, quelque chose, qu'il va falloir partir pour telle heure, pour ne pas prendre l'embouteillage, pour arriver à telle heure. Il y a déjà un processus, vous avez compris. Alors que moi, je n'avais pas ça. Il n'y avait rien comme aide. Si je n'avais pas fait ça, cette démarche-là, j'ai pris que ces deux appareils pour vous montrer. Si je n'avais pas mis ça en place pour me dire, Catherine, demain matin, si tu dois être quelqu'un de malvoyant ou de non-voyant, comment tu seras? Comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Comment voir avec agencer des choses à la maison tout en restant autonome, en ne mettant rien ni à côté, ni à travers, pour que je puisse continuer à rester une femme autonome et dynamique. J'avais encore cette vue. Alors, petite question, Madame Armet. Alors, ce que vous nous avez montré, par exemple, l'indicateur de niveau d'eau, ça existait déjà, mais ce n'était pas... Ça n'existe pas chez nous. Pas chez nous. C'est-à-dire Guadeloupe, Martinique... Non. Même en France hexagonale, comme on dit, non. Non plus. Non. Ok. Je n'ai pas du tout trouvé... Tout ce que je vous montre, c'est des choses parce que j'ai dû voyager. Je suis partie en Belgique, je suis partie à Dubaï, je suis partie aux États-Unis. J'ai dû voyager. Au fur et à mesure, on commence à trouver des choses qui viennent en métropole. Là encore, je pars au mois de décembre. On commence à trouver, mais malheureusement, il y a encore un autre combat que je suis en train de mener. C'est ceux de la douane. Parce que ce sont des accessoires, du matériel qui ne devraient pas être taxés. Oui. D'accord. Là, c'est un débat que je vais ouvrir et que je reviens pas sur ça. Donc, ça encore, c'est notre combat que je suis en train de mener. Parce que je me dis, c'est comme si on est en train de me dire, ne vous soignez pas. Ou faites-le, mais comme vous savez que je sais que vous en avez besoin, donc déposez l'argent là pour que je puisse avoir. Vous voyez, c'est pas correct. Alors, c'est déjà deux combats. Celui de la personne qui est non-voyant ou qui est malvoyant, plus notre combat encore d'acquérir une autonomie sous une autorité d'une loi illégale. Donc, je me dis qu'il faut arrêter ce genre de posture, ce genre de combat, et qu'on devrait pouvoir mettre les choses simplement comme elles devraient être. C'est-à-dire, j'ai besoin de ce matériel, j'utilise ça, je prends ça. Moi, si je n'avais pas eu ça, je n'avais pas eu ce type de vie, je n'aurais pas eu ces combats-là, je n'aurais pas ouvert, j'aurais ouvert ma raison d'optique tout simplement. Exactement. Donc, comme Madame Maison se disait, donc c'est suite à votre situation, vous avez cherché des alternatives, vous avez été proactive, du coup, et vous est venue l'idée de commercialiser, c'est ça? Alors, suite à mon état de vie, l'idée. Je me suis dit, pourquoi pas plutôt me spécialiser dedans. D'accord. Parce que l'idée de la création était déjà là, comme l'idée de d'autres créations sont déjà là. Mais c'est juste que moi, j'aime bien définir le but vrai et profond de la chose. Pourquoi je le fais? Les idées, ça fustige de partout, ça rentre, ça sort. Vous avez de ceux qui ont la capacité de créer facilement, vous avez de ceux qui... Enfin, il y a de tout. Maintenant, c'est le pourquoi. Pourquoi c'est ça? Après, si c'est pour un gain financier, non. J'ai envie de dire, pas d'abord. Ouais. Pas d'abord. Parce que malheureusement, quand on fait ça, il faut payer les personnes, il faut payer les fournisseurs, il faut payer ci, il faut faire ça. Mais j'ai envie de dire, pas d'abord. Parce que si j'étais restée comme ça là, et puis je suis contente, je m'aime, je suis fière de ça. Parce que je vois les personnes, quand ils viennent à la boutique, ils viennent récupérer ce matériel, beaucoup font... Bonsoir. Vous voyez, même les parents pour les enfants, franchement, surtout quand vous avez des enfants de bas âge comme ça, qui ont d'être autonomes, et quand les enfants vous appellent pour vous dire que, Madame Catherine, merci beaucoup, je prends moi-même tout seul ma température, je fais tout seul ma température, ou bien je mets tout seul mes gouttes dans mes yeux. Parce que vendre des lunettes, c'est une chose, mais vous avez des lunettes à trop aussi. Ces lunettes-là permettent justement à ces enfants et me permettaient à moi déjà de mettre les gouttes dans mes yeux sans avoir cette crainte de me percer l'œil ou de me faire mal à l'œil. Quand je l'ai mis à disposition d'ici dans la boutique, on me dit, mais on ne connaît pas tout cela et qu'on voit que ça existe,
Même mamie, hein, qui a 90, 92 ans, c'est juste comme ça. Vous pouvez monter un peu plus. Alors, on voit pas. Voilà. OK, d'accord. D'accord. Même ces lunettes à trous, ça m'a aussi beaucoup aidée parce que je n'aurais pas eu ces lunettes à trous. Combien de fois j'aurais pu me mettre un truc dans l'œil? Pourquoi tout le temps embêter quelqu'un? Oui. Si vous êtes occupé, si vous faites quelque chose, on vous demande, peux-tu me rendre un service une fois, deux fois? Vous allez dire oui. Mais soyons sérieux, quatre fois, cinq fois, six fois, un moment, ça va vous agacer. Que vous le vouliez ou non, parce qu'il y a un certain moment, vous serez concentré sur ce que vous êtes en train de faire et vous n'avez pas envie d'être dérangé. Et la concentration, c'est quelque chose qui se nourrit. Donc, quand bien même vous avez tout l'envie du monde d'aider l'autre, il y a un moment où vous serez agacé. Donc, il faut pouvoir se débrouiller seul. Donc, aujourd'hui, mon entreprise me permet de faire connaître tous ces petits accessoires. Moi, me nourris, parce qu'il ne faut pas croire. Je suis en rémission depuis maintenant, depuis 2015. Et je suis bien. Mais du coup, parce que pour la petite histoire, vous êtes reparti voir le professeur, le médecin qui vous soignait, pour dire qu'en Belgique, il y avait un médicament qui avait... Voilà, donc du coup... Tout à fait. Et il m'a simplement dit, Madame Armette, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je sais déjà qui vous êtes, je n'ai pas grand-chose à vous dire. La seule chose que je peux vous dire, revenez me voir dans un an. Je suis retournée le voir dans un an. Il m'a demandé de faire partie d'un programme. J'ai fait partie de son programme. On avait des documents, savoir ce qu'on pouvait manger ou pas. Il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas manger. Jusqu'à présent, je peux manger de la tomate, mais si je mange de la tomate farcie, c'est une fois le mois ou tous les deux mois. Je mets pas de par exemple, pourquoi par rapport à la tomate? C'est juste un exemple. C'est par rapport à l'acidité. Ah, OK, d'accord. Parce que tout ça, ça touche l'acidité. Donc, je ne pouvais pas manger pas de tomate, pas de kiwi. Il y a plein de choses que je ne peux pas manger, mais il y a plein de choses que j'impose à mon corps à manger, quand bien même cela m'est interdit. Oui, je conçois que je ne peux pas manger de fromage, mais je m'empêche pas d'aller chez... Il y a une petite dame qui fait du fromage en Martinique et je prends plaisir d'aller manger son fromage de chèvre. De temps en temps. De temps en temps, je fais attention. Mais je ne... Non, mais vous savez de quoi? Enfin, peut-être que pour les autres, c'est aberrant. Mais je me dis, ce n'est pas mon corps qui doit me diriger, je dois diriger mon corps. Vous voyez, je dois lui imposer certaines vérités, même s'il la refuse, mais je dois me l'imposer. Maintenant, je sais aussi l'écouter. Si je constate que vraiment il me dit que non, je ne vais pas le faire, comprenez? Mais c'est ce qui m'a sauvée. D'accord. Et là, aujourd'hui, je suis en rémission. Quand j'ai téléphoné pour le joindre, on m'a demandé, le professeur, hein, je vais vous dire, je ne vais pas mentir, il y a une semaine, parce que comme je pars au mois de décembre, je me disais, bon, ça fait longtemps, je vais aller lui faire un petit coucou. On me dit, c'est qui ce médecin? La secrétaire que j'ai eue au téléphone m'a demandé, me dit, qui est ce médecin? Donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui s'est passé, je vais me déplacer, j'irai quand même moi-même sur place. Mais ça n'empêche que je vais regarder, j'avais son email, j'ai vu qu'il ne m'avait pas répondu, donc soit ce monsieur a pris sa retraite, mais j'étais bien, je suis en rémission. Et d'ailleurs, je vais vous dire, j'ai dit que je suis guérie. Voilà, donc, acté. Voilà, donc c'est, pour moi, c'est acté. Donc, quand bien même quand j'irai le voir, c'est un petit coucou de courtoisie et de bienveillance de sa part sur moi. Parce que quand il m'a fait faire le... Nous étions même pas 12 à faire le programme. Et il s'avère que sur les 12, nous étions 3 ou 4. Nous sommes, par rapport à la manière dont nous avons mis en place notre façon de vivre et de voir les choses, nous étions 3 ou 4 à avoir été en rémission et guéri. OK. D'accord. Donc, et puis il n'y a pas d'âge, avant on disait que ce n'était pas transmissible, aujourd'hui on se rend compte que oui, il y a plein de petites choses. Simplement, je ne me prends pas la tête à aller chercher des informations qui ne m'intéressent pas. Je ne vais pas chercher à aller chercher des informations qui sont là plus pour m'empêcher d'avancer. Je prends l'information
et j'en fais ce que je veux. Je la transforme comme je veux de cette information, et c'est en la transformant que ça m'a permis aujourd'hui de me dire, oui, voilà, j'avais l'intention de créer mon entreprise. Maintenant, de cette entreprise, qu'est-ce que tu veux en faire? Qu'est-ce que tu veux faire partager? Et c'est de là que je me suis dit, j'ai vécu ça, pourquoi pas ne faire partager, puisque j'ai du matériel, j'ai des accessoires qui pourraient aider. J'ai vu les associations comme Agir sans voir en Martinique. J'ai vu l'AMDAV. J'ai fait des belles rencontres parce que je suis passée effectivement sur des radios. J'ai reçu mon label de Cap Nord. J'ai reçu de la CCIM aussi mes félicitations. J'ai aimé le prix que j'ai reçu. Je ne voulais pas de la première place parce que le diplôme qu'on donnait, c'était service qualité plus. J'ai un problème avec mon téléphone fixe. Ça, c'est Orange. Donc, ce n'est pas moi le problème, c'est Orange le problème. Je ne peux pas me joindre facilement sur le fixe. Mais comment on peut découvrir ce que vous proposez, vous mettez à la disposition des malvoyants et non-voyants? Alors, vous avez une boutique en ligne, comment ça se passe? Je ne mets pas de boutique en ligne parce que ça casse la compréhension et le rapprochement par rapport au client. Et si on est en Guadeloupe, du coup? Si on est en Guadeloupe, je prends, comme on est en train de faire là, un petit zoom. Super sympa. Okay. Je regarde la personne, je discute avec la personne, j'écoute la personne, je prends les informations qu'il me donne dont il ne se rend pas compte. Et c'est de là que je peux lui apporter quelque chose. Sur mesure. Les enfants sont à côté. Comment? J'ai dit sur mesure, entre guillemets. Exactement. Mais trop souvent, les parents... Les enfants ont tendance, quand ce sont les parents qui ont le souci et que les enfants ont tendance à vouloir tout ce que je donne, et quand ce sont les parents, ils ont tendance à donner à leurs enfants tout ce que je propose aussi. Et si je suis juste avec mon identité, le désir d'apporter le bien-être dont je veux à chaque personne, je suis dans le devoir de respecter ça. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis aux enfants de ne pas parler. Même s'ils sont adultes, je me permets de dire de ne pas parler et de me laisser discuter avec l'adulte. Pourquoi? Vous voyez l'indicateur d'eau? Peut-être que l'adulte, ayant eu déjà 10 ans, 20 ans ou 5 ans avec son handicap, vous savez, on a déjà eu le temps de développer pas mal de petites choses au-delà de l'audition. L'instinct se développe, l'esprit de la conscience se développe. Il y a plein de petites choses qui se développent. Donc, peut-être que mon indicateur d'eau ne sera pas pour la personne, mais sera pour mon enfant. Donc, je vais dire aux enfants, votre parent n'a pas besoin de l'indicateur d'eau. Oui, mais nous, on pense que non. Si vous ne gâtez pas vos parents, c'est-à-dire, vous avez envie de lui offrir un cadeau, vous faites. Mais si lui, il ne doit pas l'importance d'avoir ça, on est en train de gâter. Gâter veut dire aussi lui retirer une certaine autonomie. Vous comprenez? Oui. Et l'objectif pour moi, c'est de donner cette autonomie, d'apporter cette autonomie. Donc, si je suis l'enfant ou le parent qui veut, entre guillemets, pense vouloir le bien de la personne, il est en train de lui retirer de l'autonomie. Mais s'il veut une autonomie et que c'est une autonomie manquante pour emmener au fur et à mesure un processus de développement de tout ce qui fait de la personne maintenant cet handicap, là oui, je ne sais pas, j'ai du mal à verser, quand je renverse, je ne suis pas encore habituée, c'est tout nouveau, c'est normal. À ce moment-là, oui, indicateur d'eau, tensiomètre parlant, thermomètre parlant, je suis là, on fait nos affaires. Mais si c'est pour venir et dire que on va faire, non, je vais casser ça. Donc, si on n'est pas sur le territoire, donc la Martinique, on est à distance, donc un zoom, on discute, voilà, et ensuite vous déterminez les besoins. Les besoins. Après, je peux me déplacer. Quand j'ai, ça m'arrive. Plusieurs clients sur un même territoire. Alors, je vis ma vie en Martinique parce que mon époux
qui est un, j'ai envie de dire un Normand martiniquais, mais je suis d'origine guadeloupéenne. Ah, d'accord. Okay. Donc, mon nom est en Guadeloupe. D'accord. Mais je suis martiniquaise d'adoption. Ok, très bien. Mes enfants sont nés en Martinique, j'ai tout fait. Donc, ce n'est pas un problème pour moi d'être en Guadeloupe. Guadeloupe, ok. Ben, du coup, je vais profiter de ce moment pour voir s'il y a des questions dans le chat. Si quelqu'un souhaite poser une question à Madame Armette, n'hésitez pas. Alors, il y a Madame Marguerite, l'INSEE. On reconnaît un nom, Madame Lacoma, peut-être, une petite question. Non, ben apparemment, c'est très clair. Personne ne pose de questions. Oui, j'ai essayé d'être le plus concret, concis que possible avec des mots simples, mais c'est surtout pour emmener en fait tout un chacun à prendre conscience que quelqu'un qui est malvoyant, qui est non-voyant, n'est pas forcément quelqu'un de... comment dire? Ce n'est pas forcément un handicap. Enfin, comment expliquer ça avec un terme? C'est pas... L'empathie, c'est bien, mais l'encouragement, c'est mieux. D'ailleurs, pour tout handicap. L'important, c'est important aussi. La considération, c'est important. Et puis, ne pas forcément porter des jugements parce que la personne a décidé de faire de sa vie un moment, une abstraction de tout. Et puis, deuxièmement, là, c'est le côté opticienne, optique qui parle. Les yeux, c'est comme le cœur. On ne prend pas soin de ses yeux. On a un glaucome, mettez-vos lunettes de soleil. C'est la base des bases. On vit aux Antilles, mettez vos lunettes de soleil. On a un problème de cataracte, mettez vos lunettes de soleil. C'est la base des bases. Mettez des polarisés, mettez des lunettes de soleil. Être joli, être beau, c'est magnifique. Moi, si je vous montre, j'ai une panoplie de lunettes. Mais je sais que côté lunettes de solaire, j'en ai pas besoin de beaucoup. Hein. Pour ma vue ou ma boutique, j'ai une panoplie, j'aime ça. Mais pour quand je sors de ce bâti, et même quand je suis chez moi, hein, je mange sur ma terrasse, j'ai mes lunettes de soleil à mes yeux. D'accord. D'accord. Donc, quelles seraient vos recommandations du coup? Donc, le port des lunettes de soleil? Alors, il faut porter les lunettes de soleil. C'est très important, surtout chez nous, parce que ça, on a les yeux quand même, on a un soleil qui tape. Oui. On n'a pas le soleil de Normandie, j'ai envie de dire, où le ciel est tout bleu du Jura, amouré, où c'est tout bleu, il y a de nuages, etc. Mais les UV sont là. Et quoi qu'on en pense en métropole, c'est tout aussi dense, plus que chez nous. Le problème est que chez nous, on a une pollution aussi derrière maintenant qui s'est installée et on a souvent tendance à se négliger. Je ne prends pas soin de mes yeux, c'est comme si je ne prends pas soin de mon cœur. Parce que si demain matin, un problème cardiaque, il faut mettre une pile, on va dire, on appelle ça un pacemaker. Vous ne prenez pas soin de vos yeux, vous allez avoir non seulement le bâton, mais il faudra le bras aussi. Ah. Et pas forcément votre bras, c'est-à-dire pas, le bras droit ne pourra pas tenir le bras gauche. Il faudra le bras de quelqu'un d'autre. Et il faudra à ce moment-là que cette personne ait envie de se disposer pour vous. Ouais. Et envie de s'engager pour vous. Et tout devient à ce moment-là un sens unique. Donc pour moi aujourd'hui, c'est dire de la même manière qu'on a mal aux dents, on a mal au cœur, on a mal aux yeux aussi. Oui, donc il faut prévenir. Toujours. Toujours. Donc, pas de questions pour l'instant. Donc, si on veut vous contacter, du coup, on revient à la question. Oui. Donc, alors, il y a un numéro de téléphone où on peut me joindre, qui est un portable. C'est le portable du magasin. D'accord. Donc, qui est le 06 96 89 34 30. Je l'ai mis par deux. Oui. 89 34 30, précédé de 0696. Oui. Vous avez, j'ai envoyé à Madame Maisonce, vous avez les liens Facebook, alors les liens Facebook et Instagram. Ah, alors, on va voir effectivement dessus
les lunettes, des petits messages. Je suis en train de créer mon site internet. Mon objectif n'est pas de mettre et d'exposer, comme j'ai déjà dit, parce que d'avoir et de commander et d'acheter. Ce n'est pas ça. Mon objectif est qu'on a besoin d'une aide, on a besoin d'une compréhension ou d'une écoute sur quelque chose, c'est d'apporter ça. Donc, même si on voit des choses, je peux parler comme ça, comme j'ai fait là, de l'indicateur d'eau ou de l'indicateur de présence, tous ces petits, entre guillemets, gadgets, matériels, accessoires, même les téléphones portables hein, que je fais pour les malvoyants et les non-voyants. Ah, OK. Toutes ces choses-là, on ne va pas les retrouver facilement comme ça pour l'instant sur le site. Comme je dis, parce que l'objectif n'est pas de vendre pour vendre. Il faut vendre le bien dont a besoin cette personne par rapport à ses attentes. Et l'attente veut dire que ça demande un entretien personnalisé, un entretien individualisé pour quelqu'un de bien précis. On n'a pas de photocopie. Donc, ce qui voudrait dire que si vous, Olivia Maisance, vous avez un souci sur quelque chose, ce médicament-là qu'on vous a donné n'est pas forcément le médicament qu'il nous faut. Oui. C'est la même chose pour... On peut avoir effectivement un moment ou un autre le même antibiotique. Donc, on peut avoir peut-être une machine ou deux qui peuvent se ressembler. Mais certainement, par exemple, pour les lampes, souvent, nous les voyons, on a tendance, ou les malvoyants, à mettre des lampes, des ampoules, quoi. On va acheter une lampe à bureau ou... Oui. Bref, là où vous voulez, vous l'achetez. Mais pour le malvoyant et pour nous-mêmes déjà voyants, il est bon à savoir qu'il existe des lampes autres que ces lampes-là. Des lampes à trois tons. Il existe des lampes à trois tons. OK. Des lampes pour faible luminosité, parce que quand j'ai commencé avec ce problème oculaire, la lumière blanche et la lumière jaune m'agressaient. Donc, oui. Il me fallait une lampe à ton, on va dire, j'ai envie de dire presque sombre. D'accord. Je peux mieux lire que vous qui lisez dans la lumière. Mais moi, en lisant en semi-noir. OK, très bien. Ici... Oui, allez-y, je vous laisse. Et puis, comme j'ai envie de dire, même si on va voir un opticien, ce n'est pas un opticien à décider de la lumière qu'il vous faut, de la couleur de la lumière qu'il vous faut. L'opticien qui est voyant n'aura jamais une compréhension de ce que vous avez besoin. Moi, chez moi, c'est interdit. Quelqu'un me demande une couleur sur ses verres, du gris, du marron ou une autre couleur, je ne vais pas lui imposer, je vais lui demander dans quelle couleur vous sentez-vous à l'aise. D'ailleurs, quand vous choisissez vos montures, vous allez souvent vous dire en solaire, celle-là est jolie, mais je préfère la couleur des verres de celle-ci. Oui. D'accord? Donc, vous allez prendre plutôt le confort visuel que le confort esthétique de la monture, même si le confort esthétique de la monture vous plaisait. Et ça, c'est pareil pour les verres. Il ne faut pas laisser ni les verres ni les couleurs. C'est vraiment quelque chose de personnel. OK. Très bien. Très bien. Donc, je regarde s'il y a d'autres questions. Alors moi, je voudrais... Allez-y, Madame Maisance. Voilà. J'aurais pas mal de petites questions et d'observations à vous faire par rapport donc, à cette boutique. Vous m'entendez bien? Par rapport à cette boutique. J'ai de pointer un petit peu plus l'oreille. Ah. C'est bon? On ne m'entend pas très bien? Oui, j'entends. D'accord. Alors, bon, déjà, encore une fois, félicitations pour cette initiative parce que, en fait, vous avez un parcours, on n'entend pas. Si, on entend, mais pas bien. Comment? On entend, mais pas très bien. Ah. Parce que c'est le réseau, peut-être. Oui, ça doit être. Alors, je vais couper ma caméra pour voir déjà si vous m'entendez un peu mieux ou pas. J'entends, ça va. Bon. Alors, en fait, ce que je voulais dire, déjà, c'est vrai que c'est un témoignage très inspirant. Vous êtes partie de votre problématique de santé et vous en avez fait une force. Vous avez, du coup, aussi, par rapport à vos propres recherches au regard de votre problématique, ah là là, ça a l'air un peu compliqué de m'entendre.
Non, mais allez-y, je vais pointer l'oreille simplement. Vous allez voir mes boucles d'oreilles, ce n'est pas grave. Donc oui, je disais que vous en avez fait une force et quelque part une problématique initiale pour vous est devenue la mise à disposition pour le plus grand nombre de personnes en situation de handicap d'un certain nombre de dispositifs pour les aider dans leur quotidien. Donc déjà ça, bravo pour ça. Ce que vous avez expliqué aussi, parce que très souvent, et c'est pour ça que je voulais qu'on vous mette en lumière, c'est qu'on ignorait qu'il y avait du coup dans notre bassin une personne qui avait ce type de boutique ou du coup... Allô? Oui, allô? Ça ne me passait pas très bien. Ah, bon. Alors, je vais peut-être... juste reprendre la partie au moment où tu as dit tu voulais mettre en lumière. Ah oui, donc ça fait un moment que ça a coupé. Alors je vais faire des phrases plus courtes. Ce que je voulais dire, c'est que sur notre territoire, enfin sur notre zone, c'était déjà important de vous mettre en avant parce qu'on ne savait pas qu'il y avait une boutique de ce type qui existait à proximité de nos régions. Donc, déjà, félicitations pour ça. Vous avez aussi un certain nombre de dispositifs que vous expliquez que même sur la France hexagonale, on ne trouve pas pour améliorer en fait le quotidien. Mais lors de notre échange, vous m'avez aussi expliqué que ce qui pouvait poser souci aux gens, c'est de ne pas avoir les moyens de pouvoir payer ce type de dispositif. C'est-à-dire qu'en termes de prise en charge, au niveau de la protection sociale principale et complémentaire, il n'y a pas forcément d'aide dans ce cadre-là et que les personnes, quand bien même elles voudraient se payer ces choses pour améliorer leur quotidien, elles n'ont pas forcément les moyens de le faire. C'était bien ça aussi le problème souvent. Tout à fait, tout à fait. Parce que ce sont pour certains appareils... C'est un appareil que je mets à disposition. Alors, j'étais entrée dans une logique de mettre à disposition sous forme le terme m'échappe. Vous savez, quand on prête quelque chose, vous allez louer quelque chose. Essayez de voir un peu sur le terme de location. C'est le terme qui m'échappe pour vous donner. Et on laissait un chèque de caution et moi, je pouvais passer l'appareil à certaines personnes. Par exemple, à quelqu'un qui, vous savez, vous avez des personnes d'un certain âge avancé, j'aime pas dire les vieux, matures, très mûres, voire, et que ces personnes aiment lire. Moi, je vois que j'ai des clients qui ont 73 ans, qui ont 81 ans, et ils aiment lire, ils aiment pouvoir continuer à vivre tranquillement. Donc, je mettais à disposition, en location, des prêts. Mais ces machines coûtent à l'achat pour moi déjà entre 4 000 et 6 000 pour d'autres. La lunette connectée, qu'est-ce que c'est? C'est une lunette qu'on met sur le nez. Vous n'avez pas le choix de prendre que celle que je vous donne. Et à côté de cette lunette, il y a une caméra. Et cette lunette connectée, je peux mettre la vue dessus et je pourrais enregistrer jusqu'à 10 visages. Ce qui voudrait dire que sur cette lunette connectée, quelqu'un, un membre, 10 membres de votre famille viennent s'occuper de votre mère, de votre sœur ou autre, ou d'un enfant. Si l'enfant est un malvoyant à une certaine hauteur, où l'adulte est totalement non-voyant, le fait que ces visages soient enregistrés dans cette lunette, alors, caméra, je suis en train de passer maintenant à oreillette, la personne va s'avancer à arriver à un certain niveau, ça peut être 3 mètres, ça peut être 10 mètres, en fonction de la machine et de ce que vous désirez. Vous allez entendre une voix dans l'oreille qui va vous dire « voilà », en fonction du nom que vous allez donner à cette personne, maman, papa, tonton, tati, Marguerite, Justin, Fred, est en train d'arriver vers vous. À ce moment-là, oui, ces accessoires-là sont très intéressants et surtout très bénéfiques,
mais ça a un coût. Même quand je pars dans les pays où je pourrais trouver ces machines et que, par exemple, là, avec le COVID, il m'en restait 3. Et sur 3, je ne pouvais pas garder 1 parce que les gens avaient envie de continuer de rester autonomes et qu'ils achètent leurs machines et qu'ils partent avec. Croyez-moi que c'est un budget. Et derrière, ce sont les combats que je suis en train de mener, même avec Madame Licence, qui m'a donné beaucoup d'informations d'ailleurs, et que je remercie parce que je vais continuer à prendre contact avec vous encore, parce que j'ai déjà pris contact avec certaines personnes de certaines mutuelles pour voir avec eux, pour ce fonds, pour aider ces personnes, pour voir dans quelle mesure ils peuvent mettre en fait quelque part pour permettre à ces gens d'acheter ce matériel. Parce que ce matériel n'est pas un accessoire de mode. C'est vraiment pour emmener les gens à avoir un style de vie plus autonome. Et je vais vous dire même, leur permettre d'aller au travail. Parce que j'ai une cliente qui a une très grosse correction et qui est malvoyante d'un œil. Elle a perdu son travail. Le dernier petit boulot qu'elle avait pu faire, c'est une dame qui a 2 enfants et qui a une 40aine d'années, qui est jeune quand même. Cette dame-là, elle a perdu son travail. Quand on lui a fait connaître mon entreprise, j'avais des petites caméras. Je vous ai donné, Madame Maisance, une des photos où vous voyez que je tiens par la main comme ça un petit appareil dont on avait vu avec une des rencontres que j'avais faites à vos bureaux, qu'on peut agrandir à plusieurs, un nombre de fois. 22 ou autre fois, eh bien, cet appareil aurait pu lui permettre justement de lire professionnellement dans son travail. Elle aurait pu lire ses documents. Elle aurait pu travailler de manière plus autonome parce que cet appareil, elle prend photo, elle connecte à son ordinateur. Elle aurait pu être beaucoup plus autonome, vous voyez. Et quand je l'ai connue, elle avait déjà perdu son travail. Et même le Pôle emploi n'avait pas fait le nécessaire non plus. Et tout ça, je me dis, c'est dommage que ces structures ne veulent pas se donner la joie, mais une joie immense d'apporter véritablement de l'aide aux personnes qui peuvent avoir besoin que leur fermer, leur claquer la porte tout simplement. Et ces administrations qui savent qu'ils peuvent avoir les moyens pour aider ces personnes, jeunes, moyens, vieux, pour pouvoir continuer non seulement à vivre, mais à travailler, c'est dommage qu'eux-mêmes aussi ne prennent pas encore cette joie-là de pouvoir leur apporter ce bien nécessaire. Je trouve ça fort, vraiment, je ne veux même pas dire déployable, je dis ça malheureux, malheureux d'humains qui oublient que demain, ça peut frapper à leur porte. C'est vrai. Madame Armette, il y a une question de Madame Lacoma qui demandait est-ce que ces équipements pouvaient être pris en charge même quand on a une ALD, on est bénéficiaire d'une ALD ou pas? Dans quelle mesure? Tout devrait être pris en charge dans la mesure que quand on a l'ALD, c'est dénoncé dans le document dès que le médecin l'a dénoncé. Par exemple, oui. Non, c'est vrai que quand bien même on a, c'est le, ce qui est remboursé qui peut être compliqué. C'est-à-dire qu'on peut avoir un 100% par rapport à sa pathologie. Et donc, quand on va faire une prescription, avoir une prise en charge à 100%, mais en référence, en fait, à, entre guillemets, au référentiel sécurité sociale. Donc, du coup, pour quelque chose qui est aussi conséquent, ça va être remboursé par rapport... à la codification sécurité sociale. Donc, si c'est 4 000 euros et que la Sécu va rembourser, même si c'est une pathologie à 100%, je dis une bêtise, hein, mais 50-100 euros, la mutuelle va donner sa part, mais le reste à charge pour la personne demeure très conséquent. Et c'est là que ça peut devenir effectivement compliqué et qu'on se retrouve sur la question du non-accès aux droits et aux soins parce que du coup, la personne, elle va se dire « Ok, la Sécu me rembourse tant, la mutuelle va me rembourser tant dessus, mais moi, je n'ai pas les moyens de payer, je vais dire une bêtise, 4 000 euros, vous disiez, bon, si c'est 500 euros de prix en charge, le reste à charge pour la personne demeure trop conséquent, et ce qui fait aussi que du coup, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en mesure d'aller au bout de la démarche de soins
ou de l'appareillage qui va leur permettre, en tout cas, de pouvoir vivre avec son handicap, mais avec des choses adaptées. Et c'est là où vous disiez que vous aviez une grosse problématique, où les gens vont venir vous voir, mais au regard du montant, ils ne vont pas pouvoir aller au bout de la démarche pour pouvoir s'appareiller correctement. C'était ça, hein? C'est exactement ça. Et à la limite, quand c'est un jeune, le parent fait le sacrifice, enfin, entre guillemets, parce que j'exprime leur terme, le sacrifice, parce qu'ils sont jeunes, comme un des jeunes garçons que j'ai de 9 ans, dont les parents ont décidé de prendre en charge cet appareil. Mais comme je dis, cet enfant, il a 9 ans. Cet appareil, il va l'utiliser pendant 4, 5, 6 ans, 7 ans. Moi, derrière ce que je fais, si effectivement l'appareil évolue, je demande aux parents de cet argent, on va le mettre sur un autre appareil. D'accord? Je ne fais pas payer. Maintenant, si c'est le logiciel, le parent, en plus derrière ça, est obligé de se renouveler les mises à jour du logiciel qui sont payants. Et derrière ça, on devrait avoir de la part de la Sécu et de la MDPA et toute autre structure qui devrait être dans les structures compétentes, devrait pouvoir normalement faire le nécessaire. Et là, on ne l'a pas, alors qu'ils sont là pour ça. Petit... Madame Isonce, il y a peut-être un petit souci technique. Oui, excusez-moi. Non, j'étais en train de voir justement s'il y avait possibilité d'avoir le retour d'un professionnel de la Sécu par rapport à ces questions de prise en charge sur ces dispositifs. C'est pour ça. Donc, je reviens vers vous. Il y avait une question en particulier? Non, c'est juste que Madame Armette répondait à ta remarque. Ah oui, pardon. Ben, c'était Madame Lacoma, effectivement, qui avait mis... Elle a dû partir, je pense. Voilà, c'est Madame Lacoma et inspectrice. Enfin, je vais essayer de voir si elle revient, mais inspectrice à la DEPS, et elle est en charge, effectivement, des questions autour du handicap. C'est d'ailleurs elle, en tout cas la DEPS, a contribué à l'organisation de cette semaine. Et donc, c'est elle qui posait cette question par rapport à la prise en charge en ALD. Exactement. Donc voilà, j'essaie de voir si elle peut revenir aussi sur le webinaire. Je reviens. Merci. D'accord. Donc en attendant, on va regarder s'il y a des questions. En tout cas, les gens ont adoré votre témoignage. Merci. Inspirant. Ils nous ont laissé des messages dans le chat. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais en tout cas, voilà, ils ont beaucoup apprécié votre témoignage. Si vous avez d'autres questions, les participants, n'hésitez pas. Donc, en attendant, on nous a dit qu'on peut vous appeler au 06 96 89 34 30. Oui. Ou on mettra à disposition des participants ou des personnes qui nous demandent votre Instagram. Ou si on peut chercher, on tape l'optique autrement. Voilà, on tape l'optique autrement. J'ai mis deux apostrophes. Du coup, ça m'avait marqué parce que j'avais été au tribunal chez le greffier pour récupérer mon cabis. J'étais reconnue tout de suite parce qu'on m'a dit, vous avez deux apostrophes et c'est rare. Pourquoi je l'ai fait, je vais vraiment vous le dire parce qu'on a essayé de me pirater déjà à plusieurs reprises. Et j'étais très contente de savoir que j'avais déjà le fait qu'il y ait les deux apostrophes. Ça peut porter à confusion quand on écrit. Mais c'était volontaire. D'accord. Bon, on va noter, je vais noter tout de suite le nom, ceux qui souhaitent. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Parce qu'on a bien compris que vous ne voulez pas vendre pour vendre, mais là, hormis l'indicateur de niveau d'eau, les lunettes connectées, c'est bien ça le terme? Oui, il y a la lunette connectée, il y a l'indicateur de présence,
On aime quelqu'un à côté de soi et cet indicateur de présence, ça se place à une entrée ou pas loin de la personne qui est... vous savez, hein, quelqu'un fait la sieste. Je prends des images assez faciles. Hein. Quelqu'un fait la sieste et est couché ou assis dans un fauteuil et cette personne-là est malvoyante. Cet indicateur de présence est placé quelque part que la famille connaît. Comme ça, si jamais quelqu'un veut s'introduire dans la maison, ça sonne. Mm. Ça. C'est un petit fond sonore qui informe qu'il y a quelqu'un qui est entré dans la maison, par exemple. Il y a le tensiomètre parlant pour permettre l'autonomie toujours aussi, pour prendre sa tension. Thermomètre aussi thermique toujours, tout est parlant. On a les lunettes à trous, comme j'ai montré, l'indicateur d'eau. On a aussi le scanner parlant. Qu'est-ce que scanner parlant? Bon, ben, c'est un scanner qui, ça porte son nom, c'est comme un petit scanner portable, on met le document, on a envie de mettre son journal, on veut lire son journal, on ne peut pas le lire parce qu'on est malvoyant, mais on met la feuille dessus, on allume tranquillement et ça fait la lecture. On a, comment ça s'appelle ? On a la webcam qui est un appareil de lecture, lecteur cam qui permet de faire la lecture des petits caractères comme des moyens caractères pour les malvoyants. On a un bébé qui vient de naître, mais maman ou papa est malvoyant, tonton ou la petite sœur ou le petit frère est malvoyant. On prend la photo de bébé, il peut voir jusqu'à un certain niveau du 100% de visibilité ou pas. On connecte ça à l'ordinateur, ce qui permet d'avoir une vision beaucoup plus large. Donc, on peut voir le visage de manière plus nette, précise, concise de la personne ou de l'objet. Quoi donc encore Nous avons, vous avez le bâton qui permet de, ce bâton permet de, bâton pour les malvoyants. Vous avez quoi d'autre? Pendant que vous réfléchissez, il y a un participant qui a dit, qui vous conseillait peut-être de, d'enregistrer votre nom à l'INPI. Oui, j'ai une personne, un client qui est venu justement et qui m'a dit de m'inscrire à l'INPI. Du coup, je vous avoue que j'étais là, ça fait deux fois, donc il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Non, hier, il s'est carrément mis, il m'a demandé, madame, je peux demander votre ordinateur? J'ai dit oui. Il a carrément mis la page et il m'a demandé, il m'a dit, inscrivez-vous là, s'il vous plaît. Et là encore, vous m'en parlez. C'est vrai, il faut que je le fasse. Oui. Vraiment. C'est vrai. Donc, alors, je pense que Madame Maisons n'a pas pu... Alors, en fait, malheureusement, je ne suis pas parvenue à joindre... Alors, il y a Madame Lacoma qui essaie de m'appeler parce qu'elle a dû se déconnecter pour un problème de réseau. Ça ne fonctionnait pas bien. Elle m'appelle avec son fixe. Je vais voir si on peut échanger quand même avec elle. Je coupe juste le temps de la prendre... d'échanger avec elle avant. Je reviens. D'accord. Alors, un autre participant propose, Madame Armette, de vous une solution peut-être moins chère et plus facile, c'est de déposer votre nom de domaine sur Internet en .com. Donc, mais vous avez dit que vous travaillez sur votre site en ce moment, donc peut-être que vous avez déjà votre nom de domaine. Non, alors j'ai en Martinique, il y a une aide qui est proposée qui s'appelle le ballon digital par la CTM. Oui. Voilà. Et donc, effectivement, j'ai eu ma réponse d'accord. Maintenant, mon désir, mon souhait est de faire un site très épuré. Alors, il y a beaucoup de propositions qui m'ont été faites. Et, mais vous n'êtes pas satisfaite. Voilà. C'est-à-dire que j'ai pas trouvé la bonne personne. J'ai besoin que les gens ne savent pas être simples. Les gens ne savent pas, enfin les gens. Des fois, il y a des certains professionnels qui sont super bons. Quand je vois ce qu'ils me montrent, c'est super beau. Mais ça ne correspond pas à ce que vous voulez que les gens ressentent quand ils arrivent sur votre site. Voilà. Mais par contre, je me permets, puisque c'est un peu ma partie au niveau du marketing, donc acheter votre nom de domaine en amont. Ça ne coûte pas plus cher, ça ne coûte pas très cher. Vous l'achetez en .com et en .fr. Si vous voulez, on pourra en discuter
toutes les deux après, mais au moins pour vous assurer d'avoir déjà votre nom de domaine, même si vous ne faites pas encore votre site internet, parce que il y a aussi un business qui existe. Alors, ça n'a rien à voir avec le webinaire du jour. C'est que, par exemple, les gens, ils regardent les noms qui sont inscrits, les noms d'entreprise, et ils peuvent acheter votre nom de domaine et le revendre. Mais le revendre a pris multiplié par des fois 4, 5, 10, ça peut aller. Moi, j'ai une cliente qui a, en fait, son nom de domaine, on lui demandait 2000 euros. Alors que c'est quelque chose qu'elle peut payer 20 euros l'année. Ah ouais. Donc, par précaution, et comme a précisé le participant, je ne me rappelle plus du nom. Alors, c'est les initiales, c'est bébé, mais voilà, acheter le nom de domaine, c'est à faire tout de suite. D'accord. Donc, après, il y a différents... vous pouvez acheter à plusieurs fournisseurs de nom de domaine, mais si vous voulez, n'hésitez pas, on pourra en discuter. Oui. Bon, on revient à la thématique. Si quelqu'un a d'autres questions, aimerait savoir avoir des précisions, que ça soit sur le parcours. En tout cas, excusez-moi, madame, mais pas Olivia, mais madame. Madame Armelle, vous tenez le monde en haleine, hein, parce que là, en fait, on est en timing. Oui, mais comme je savais que c'était le dernier, donc je me suis dit, on peut y aller. Ah oui, tout à fait, mais ça veut dire que vraiment, vous avez un parcours inspirant. Oui. Et comme je vous dis, au regard de la thématique, c'est vraiment un beau message aussi de se dire que voilà, une problématique de santé. Déjà par rapport à votre vision, la vision que vous avez, la manière dont vous avez appréhendé ce problème, finalement c'était votre force. Et aujourd'hui, comme je vous dis, vous vous positionnez comme un partenaire relais qui n'est pas encore connu, certes, mais qui pourra aider de nombreuses personnes sous nos latitudes par rapport à ce type d'appareillage. Donc vraiment, bravo à vous pour ça. Et puis vous levez aussi là un souci de prise en charge qui fait qu'encore une fois, alors juste une minute, je réponds puisqu'il y a Madame Lacoma qui essaie de nous joindre. Donc vous mettez aussi en lumière la question de la prise en charge et du non-recours aux droits et aux soins par rapport à la question financière alors qu'il y a des dispositifs qui existent. Donc ce webinaire va peut-être aussi permettre de réfléchir sur ces questions. Alors, Madame Lacoma est avec nous. Je vais essayer de voir si je peux la faire échanger avec nous via mon téléphone. Je recoupe un petit moment et je reviens. D'accord. Alors, Madame Armette, vous pouvez regarder dans le chat. On vous trouve des solutions. Oui, c'est ce que je vois. J'ai répondu oui. Voilà. Je ne voyais pas. Mais effectivement, j'ai vu qu'on veut tous vous aider. Aujourd'hui, on veut vous aider. Donc, voilà. Prenez toutes les informations nécessaires et n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez besoin de conseils à ce niveau. Ouais. Alors, madame, on va essayer avec le haut-parleur. Madame Lacoma, alors, est-ce que vous entendez ? Bonjour tout le monde. Enfin, je vais juste la présenter. Oui, bonjour. Et merci pour ce webinaire de qualité. Vous l'entendez? Alors, est-ce que tu peux augmenter un peu plus le volume? Alors, là, c'est au maximum. Est-ce que ça va? Madame Lacoma, vous pouvez essayer de reparler? Oui, je disais donc bonjour à tous et merci pour la qualité des échanges et des informations précieuses qui ont été relayées. Ok, ah. Merci. Donc, oui, on entend, mais il faut tendre l'oreille. Ah, Je suis désolée. Alors, Madame Lacoma, est-ce que vous pouvez rapidement, encore une fois, je disais que je remerciais la DETS d'avoir soutenu cette initiative pendant la semaine. Est-ce que vous pourriez rapidement quand même vous présenter vos missions au niveau de la DETS autour des questions de handicap? Très bien. Alors, j'espère que vous m'entendez. Très rapidement, donc, je suis Gaëlle Lacoma, inspectrice du travail sur l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et de façon très synthétique, nous définissons
malheureusement, il y avait un certain nombre d'institutionnels qui n'avaient pas des questions. Je voulais savoir si elle me répond en message privé. Quels sont pardon, les interlocuteurs qu'elle a eus, notamment au niveau de la justice et du FIP, son pendant dans la fonction publique. Quels sont il n'y a eu personne, personne, même au niveau de la CGSS. Surtout qu'ils sont en grève en Martinique, là. D'accord. D'accord. Une question, Madame Lacoma. Il y a une sur la Martinique au niveau de la dette. Est-ce qu'il y a une correspondante qui intervient? Tout à fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je relais également à Michael Bézant et il n'y a aucun problème. D'accord. Parce que là, je peux vous le répéter sur le chat, mais il y a un problème de connexion. Donc, voilà, c'est tout ça à connaître. Mais je renvoie ces éléments. Donc, un interlocuteur, un district, c'est la question que j'ai mise en avant, coordonnée de mon homologue en Martinique. Et de même, mon homologue, si on dit même quoi que ce soit un peu difficile en ce moment. Oui, tout à fait, mais en tout cas, ce qu'on pourra même proposer, hein, de toute façon, nous allons enregistrer, nous avons enregistré ce webinaire. Ça serait vraiment intéressant de pouvoir mettre au travers de ce parcours, cette boutique en avant, mais aussi du coup, par rapport à plein de choses que Madame Armet a pu aborder. La question, en fait, déjà de l'arrivée, des frais d'approche qui sont liés à ce type d'appareillage, puisque ça, c'est quelque chose avec lequel, c'est une cause hein, que vous prenez actuellement à bras le corps, les difficultés, en fait, de pouvoir financer tous ces dispositifs. On pourrait effectivement faire une petite rencontre autour de ça, et j'en parlerai avec Madame Lacoma, si vous êtes d'accord, et je pense vraiment qu'il y aura en tout cas une mise en lumière de votre boutique, et surtout ça permet en fait un cas pratique de réflexion sur les prises en charge, c'est surtout ça. Tout à fait. Et la MDPH également, excusez-moi Madame Lacoma, tout à fait, puisqu'apparemment la CGSS, à ce que j'ai cru comprendre via contact CGSS, il y a une dotation qui est faite justement aussi pour la MDPH par rapport à ce type de dispositif. Donc c'est vrai qu'au-delà du témoignage engagé qu'on a aujourd'hui, ça permet d'être dans du concret, des difficultés rencontrées
sur ces sujets et sur le fait de pouvoir s'appareiller correctement pour compenser son handicap. Merci beaucoup pour votre précieuse intervention. Merci beaucoup, Madame Nakoma. Merci beaucoup. Merci, Madame Nakoma. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. C'est bon, je me tais, c'est fini. Non, à vous la parole. Non, mais en tout cas, c'est beaucoup de solutions et c'est très intéressant. Et ça me fait plaisir de savoir que ça peut apporter aussi une aide dans d'autres structures et qu'on peut essayer de débloquer les fonds, pas pour moi, mais pour aider toutes ces personnes qui sont malvoyants et non-voyants, laissées là, parce que derrière, ce sont des vies des fois qui se brisent, hein, vous savez, des familles qui se déchirent, et où ça peut être pour des enfants, des fois, vous avez des enfants qui, il faut passer par un psychologue parce qu'il a l'impression que c'est lui ou c'est elle qui cause la déchirure de papa, maman. Il y a tout un processus, c'est tout un tas de choses qui se font dans des familles. Et c'est fort dommage qu'on... En tout cas, je ne vais plus dire c'est fort dommage, je dis c'est super intéressant qu'aujourd'hui, grâce à ce webinaire, qu'on puisse trouver des solutions et essayer dans le concret manifeste plus que dans simplement écouter ma petite intervention qui était juste pour dire un peu que voilà, ça existe et qu'il faut se battre. Parce que franchement, ça, j'en ai vu, mais je continuerai encore à en voir peut-être demain, après-demain. Mais je sais que dans chaque chose que je... dans chaque doigt, dans chaque pied, dans chaque façon d'avancer, j'avance pour une aide. Et moi, cette aide-là, je ne me la donne pas, je ne l'octroie pas. Je me dis que je le fais pour tous ceux que je peux aider derrière et qui n'ont pas peut-être ni les moyens, la force ou les encouragements nécessaires derrière ou l'appui pour les aider. Surtout quand il y a des jeunes derrière. Croyez-moi que ça fait des fois mal quand faut continuer, il faut avoir de l'empathie ou bien il faut. Mais ça fait quand même mal quand on a des jeunes enfants. Et j'avoue, quand pour un petit truc d'eau, dit je peux boire de l'eau tout seul, je peux me servir tout seul, maman, je suis grand. Et quand un enfant vous appelle, ou bien même les adultes, vous ne vous rendez pas compte, je fais les claviers. Pour les ordinateurs à fond, pour les malvoyants. Mais ce monsieur, lui, il est non-voyant et son fils l'a abandonné, il se retrouve tout seul et il savait cuisiner, il aimait cuisiner, il s'est acheté une balance parce que je fais des balances pour la cuisine, pour ceux qui veulent cuisiner aussi, tout ça. Il s'est acheté sa balance, il s'est acheté sa fourchette, il s'est acheté, vous allez me dire pourquoi une fourchette, parce que les curves de la fourchette est différente de nos fourchettes quand on mange. Il s'est acheté... son module pour ses chaussettes, pour faire sa lessive, comme ça, il sait que lorsqu'on lui prend ses chaussettes, le jaune reste avec le jaune, le reste noir reste avec le noir. C'est des petites choses comme ça qui permettent à toutes ces personnes, à tous ces gens de vivre de manière autonome et de savoir qu'ils ne sont pas là pour être là, quoi. Parce qu'il faut croire que toutes ces personnes, moi, si j'ai atteint ça, eux aussi, toutes ces personnes se disent, mais combien d'années qu'il me reste à vivre encore pour supporter tout ça? Vous voyez, ce n'est pas seulement qu'ils sont handicapés, c'est aussi tout ce qui se passe dans leur tête, c'est aussi tous leurs projets qui sont anéantis, mais qu'ils auraient, même s'ils ne font pas les 10, mais s'ils peuvent en faire au moins 5 ou 4, c'est déjà ça d'atteint, quoi. Et leur donner encore la force de pouvoir continuer d'avancer et d'aimer, d'exister. Ça, c'est
pour moi, c'est très, très. Enfin, pour moi, ça, c'est quelque chose que j'ai là et qui est très important pour moi quand j'ai toutes ces personnes. C'est vraiment leur apporter cette aide-là, quoi. C'est ça, quoi. Enfin, ça a été mon combat, ça a été ma vie. Et quand je les vois, j'ai envie. J'ai un petit jeune qui a manqué son suicide. Il avait une trentaine d'années. Il s'est foutu une balle. Enfin, il s'est mis une balle et il n'avait rien d'autre à faire, quoi. C'est... Franchement, il a un bébé, sa femme l'abandonne. Enfin, il a fait sa gaffe, il a fait son erreur. C'est une erreur de parcours. Mais je veux dire que derrière, il a trouvé un téléphone portable parce que lui, heureusement, il était très tactile, donc il n'avait pas besoin de téléphone portable à touche. Mais il me dit, je veux juste un téléphone où je connais bien les AZERTY, donc que je peux prendre ça, que je peux faire ça avec. Quand il a son téléphone, il est super content, il repart. Il n'a pas besoin d'autre chose, en fait, ce jeune homme. Juste de son téléphone portable, il avait juste besoin de ça, quoi, et de pouvoir répondre d'un tiens, voilà, tu peux toucher, tu peux voir, tu peux faire ça. Il avait juste besoin de ça, pouvoir bouger avec son sunu qui est accroché à son bras quand il sort avec les rapotes qui sont restés à côté de lui, qu'on lui dit on t'emmène au restaurant, il est sûr qu'on l'emmène au bon restaurant parce que bon, il a son sunu qui l'oriente, qui lui dit oui, voilà, tu tournes dans tel chemin, tu seras dans combien de minutes dans le restaurant, parce que la confiance se perd aussi. Les amis vous abandonnent, vous ne savez pas les deux ou trois qui restent là, s'ils sont vraiment avec vous, s'ils font des choses derrière. C'est tout un système, tout un mode de vie qu'il faut changer. On ne se rend pas compte, mais c'est tout ça en fait qui change. C'est tout l'être de la personne et tout ce qui lui faisait lui en tant que voyant être quelqu'un. On vous renvoie ça à la figure, pas proprement en tout cas. Et en fait, votre témoignage, en tout cas pour moi, mais je pense que pour d'autres personnes, en fait, permet de prendre conscience des... Parce qu'on fait certaines choses de manière tellement automatique, pour nous c'est évident, mais on ne s'en rend pas compte que les malvoyants, non-voyants, ben, ils n'ont plus accès à ces choses banales pour nous. Donc, merci. Déjà, merci de nous aider à prendre conscience de ça, parce que sinon, ben, tant qu'on n'est pas touché, que ça soit dans notre entourage ou personnellement, ben on prend pas forcément conscience de ces choses du quotidien. C'est comme les gens, parce que je m'occupe des daltoniens. C'est comme les daltoniens. Il y a beaucoup de gens que vous saluez, à qui vous dites bonjour, ils vont vous dire que le ciel est bleu parce que quelqu'un leur a dit que le ciel est toujours bleu. Un membre de leur famille ou autre leur a dit que le ciel est bleu. Ils sont à côté de vous. Vous ne saurez jamais qu'ils sont daltoniens. Jusqu'au jour où moi je me suis professionnalisée dans le daltonisme et que je connaissais un monsieur, hein, mais on se connaît comme ça, soi-disant, j'ai jamais su qu'il était daltonien, jusqu'au jour où je lui ai fait mettre la lunette avec les verres dessus. Il me dit, j'ai un petit haut moutarde que j'aime bien, et quand j'ai mis ce haut moutarde là, il m'a toujours dit que mon haut vert était super joli. Je me suis dit, certaine, mais je ne connais pas les couleurs, donc je dis, je vous répondais oui, oui, oui. Bon, quand je lui ai mis, il m'a dit, mais tu m'as toujours laissé dire que ton haut était vert alors qu'il n'est pas vert. C'est du jaune, c'est quoi ça? Je dis, c'est de la moutarde, couleur moutarde. Et c'est de là qu'il me dit, mais en fait, je suis daltonien et je ne sais pas comment tu as fait pour le savoir. Je ne l'ai pas su. Hein. C'est juste que je lui ai dit, viens voir un petit peu, j'ai un test à faire. Et comme il était tout près, il avait un marché juste en face de chez moi, de ma boutique. Je lui ai dit, viens voir, j'ai un truc que je voulais tester, viens voir. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il était daltonien. Mais il y en a plein comme ça. Parce qu'après, il m'a amené d'autres copains, d'autres personnes qui ne sont pas forcément des potes, mais que je connaissais, qui étaient dans le même cas. Donc, c'est juste qu'on porte trop de jugements. On regarde mal, en fait. On regarde très mal. On identifie parce qu'on voit clair, on identifie parce qu'on a un cerveau, mais on ne voit pas parce qu'il faut voir. C'est ça. Et je vous dis qu'un aveugle voit plus qu'un voyant. À méditer. Oui. Ah non, ça c'est beau. Hein. Vous pouvez le redire. Alors, on a une émission locale avec. Mais qui passe, je crois, en Martinique. Sur une chaîne, hein, qu'on va nommer Canal+,
Et il a une manière de dire ça quand il y a une chose qui est dite et qui est tellement puissante qu'il demande qu'on répète et qu'on répète. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez sur la Martinique. Sur Canal 10. Ouais, c'est ça. Vous avez Canal 10, Ouais, ça peut vous dire. je vois, il a perdu son fils. Oui, c'est Et ça. c'était comme ça, il dit. Exactement. Donc, je vais vous redire. On va le prendre en créole. Répétez ça encore. Ah ouais, un aveugle voit mieux que voyant. Hein. Non, franchement, Ah, pardon, encore une un fois. aveugle voit mieux que voyant. Et je vous Ah. avoue que non seulement il voit, mais il entend encore tout ce que vous dites derrière, que vous ne savez pas annoncer, prononcer avec les mots. Il va dire tout ce que votre cœur ne peut pas dire avec votre bouche. Et ça me réussit fort bien. Et j'aime ça. Parce que moi, quand les gens me disent comment vous faites pour savoir, je reste là. Aujourd'hui, je suis en rémission, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas toujours les inflammations dans mon œil. Dès qu'il y a une brume de sable, il faut tout enlever mes comprimés, mes gouttes, tout ce qu'il faut. Et pourtant, je peux travailler tranquillement. Mais personne ne sait. On va me voir là, on va aller faire mon sport, je vais rigoler, je fais toutes mes petites affaires. Mais c'est des choses invisibles, ce sont des handicaps invisibles. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis, hein, un voyant ne voit rien du tout. Il ne voit rien. Je vous assure qu'un voyant ne voit rien du tout. Il va pas se cogner, c'est vrai, mais le reste, il va pas le voir. En tout cas, merci beaucoup. Je crois qu'on pourrait faire des heures et des heures d'échanges comme ça. Malheureusement, c'est vrai que ben, je crois que là, on finit en beauté, hein. Vous avez quasiment fait 2 heures de webinaire. C'est excellent. Mais en tout cas, merci, merci encore une fois de votre intervention. Je pense que on va vraiment faire en sorte de mettre en lumière ce beau témoignage. Et comme Madame Lacombe l'a dit, faire aussi en sorte de pouvoir réfléchir ben, par le biais de votre sculpture, hein, quelque part, à ces cas concrets, en fait, qui font que ben, de nombreuses personnes pourraient accéder à tous ces dispositifs, mais parfois, ben, l'aspect financier reste un frein important. Et puis aussi, mettre en avant cette entreprise engagée que vous avez. Vous nous avez parlé d'un prix que vous avez eu. C'était dans quel cadre précisément? Alors, en fait, Cap Nord faisait un label. Alors, Cap Nord, vous pouvez. J'ai envie de dire que non, parce que pourquoi je dis ça? Les intervenants même ne m'ont jamais su me le dire correctement, même si moi je connais, mais j'ai envie de dire que non. D'accord. D'accord. Alors, il y a un message dans le chat. Donc, alors, c'est AB. Alors, on ne connaît pas. Voilà, ce sont des initiales. La personne, elle dit, pour les personnes en situation de handicap, le Cap Emploi et Pôle Emploi sont prescripteurs pour la GFIP concernant la formation, le maintien dans l'emploi, la création d'entreprises et les aides humaines et techniques. Il existe des associations qui sont spécialisées en fonction du type d'handicap pour accompagner également Guadeloupe. Il existe la GSPH pour le handicap visuel. Est-ce que cette personne pourrait nous faire Il une existe une petite plateforme d'essai de prêt de matériel également. Donc, AB, si vous pouviez Voilà, nous faire enfin, parler en direct comme ça. Est-ce que c'est possible? Ah, on fait peut-être un peu le forcing. AB ne veut peut-être pas. En tout cas, merci pour les précieuses informations qu'on va se charger de relayer également. Bon, en tout cas, je vais dire merci dans le chat. Oui, non, je peux parler. Ah, c'est bon. Allez-y. Nous vous écoutons. Voilà. Donc, oui, je disais que par rapport à tout ce qui est le maintien dans l'emploi, la formation, les personnes en situation de handicap et qui veulent créer une entreprise, comme Madame l'a fait, il existe des aides, que ce soit au niveau de la GFIP ou du FIP pour les entreprises privées. Oui. Entreprises privées, pardon, pour la GFIP. Et ils ont mis en place des prescripteurs.
Donc, il y a, comme je l'ai dit, le Cap Emploi, le Pôle Emploi, la mission locale, qui ont des conseillers et qui peuvent accompagner les personnes en situation de handicap pour mener à bien leur projet professionnel, en fait. Ben, je peux... Oui, la Martinique, parler d'infos sur la Guadeloupe, effectivement. Alors, je vais couper le micro de d'Abdé parce que du coup, on a un écho. Voilà. Alors, je vais réagir et je remercie beaucoup pour ces précieux conseils. Cap Nord, qui est normalement la communauté d'agglomération du pays Nord-Martinique, où je suis, c'est sa définition hein, de Cap Nord. Maintenant, ce qui est lié avec, qui travaille aussi avec la Chambre du commerce et aussi des métiers, je crois, si je ne me trompe pas. J'ai eu affaire, après avoir discuté avec Madame Mésence, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup, mais j'ai compris aussi que beaucoup des personnes qui sont assises dans certains endroits, dans certains bureaux, n'ont pas la connaissance de certaines informations. Je me suis renseignée 5 ans avant de créer mon entreprise. Il m'avait semblé avoir fait toutes les recherches et chercher toutes les informations nécessaires. Quand j'ai créé mon entreprise, j'étais à 100% pour cette dite maladie orpheline. Je n'ai jamais été considérée et on m'a jamais mise comme étant employeur handicapé. Ni on n'a même pas parlé. Et pourtant, il y avait des questions, il y avait des choses. Même mon époux, il a eu un accident de travail. Et du coup, il a dû partir parce qu'il a eu, entre guillemets, je ferme une parenthèse. Donc, lui, il a été déclaré comme étant handicapé par rapport à son épaule. Aujourd'hui, il se forme pour travailler avec moi en boutique. Donc, il est sur la métropole. Il termine, Dieu merci, en août. Donc, mais je veux dire que toutes ces informations sont intéressantes. Mais je suis dans l'obligation de le dire parce que ça fait mal, mais c'est quelque chose que je vis, que j'ai vécu. Si on ne connaît pas, on n'a pas le nom de quelqu'un qu'il faut aller voir dans ces différents organismes, les portes sont fermées. On ne vous reçoit pas. Ou bien la personne vous donne un rendez-vous, ou bien on s'excuse parce qu'il y a eu un problème, la personne ne peut pas être dans le rendez-vous, ou bien la personne vous dit « oui, on vous a dit ça, mais je ne sais pas, je ne suis pas au courant ». J'ai essuyé ça longtemps et j'ai fait beaucoup pour moi avec mes fonds propres. J'ai fait une aide, j'ai fait un prêt à la banque, comme tout le monde connaît, pour son entreprise, et un à Initiative Martinique. Mais le reste, j'ai dû me débrouiller avec mes fonds propres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, j'ai ma fille qui fait ses études, il faut qu'elle travaille puisque j'ai utilisé tout ce que j'avais pour mon entreprise. Alors qu'effectivement, excusez-moi, je vais expliquer qu'il y a quand même des dispositifs d'accompagnement pour le montage d'entreprise, etc. Surtout par rapport au profil que vous avez de travailleur dépendant en situation de handicap. Mais vous expliquez qu'il a été compliqué pour vous de pouvoir accéder à toutes ces aides et de bien comprendre en fait un peu l'écosystème qu'il y a autour et qui pouvait faire quoi par rapport à ça. Déjà pour vous, en tant que chef d'entreprise, avec cette problématique, mais ensuite pour les personnes que vous êtes en mesure d'accueillir dans votre boutique et qui parfois sont en difficulté pour avoir des prises en charge. C'est à ces deux niveaux que ça a été compliqué. Voilà. Et c'est à ces deux niveaux, on m'entend? Oui? Oui. C'est donc à ces deux niveaux-là que je disais en préambule que je suis en train de mener mon combat. Donc, parce que ça demande à frapper et ne pas s'épuiser. Mais il y a un problème qu'ils n'ont pas encore compris, je suis une femme tenace. Ça, ils n'ont pas encore compris ça. Mais alors, je pense qu'ils vont le comprendre.
Nous l'avons compris. Alors, est-ce qu'il y a, je suis vraiment désolée, mais comme je dis, on pourrait rester encore 10 heures. Je crois que là, on a notre record de webinaire, 2 heures de webinaire, excellent. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui souhaitent peut-être voilà, vous parler en direct avant qu'on ne se quitte. Et vous, ben, on va vous laisser aussi, Madame Armette, le mot de la fin. En tout cas, encore une fois, moi, je suis admirative de votre parcours. Vous pouvez en tout cas compter sur nous pour pouvoir relayer, réfléchir avec vous sur un certain nombre de choses. Et ben, voilà, en général, sur ce type de prestations, les orientations se font surtout sur la France hexagonale. Mais on va aussi mettre en avant et en lumière le fait qu'à ben, à proximité de chez nous, il y a cette possibilité de pouvoir se faire conseiller de manière personnalisée. Et voilà. Donc, merci encore une fois à vous. Merci. Ben là, je vais repartir là, durant le mois de décembre encore pour voir, pour négocier, parce que certaines entreprises, avec le contexte dans lequel nous vivons, nous baignons en ce moment, certaines boîtes ont fermé. J'ai toujours essayé de négocier pour avoir les tarifs au minima pour qu'arriver ici, même si je paye mon minimum par rapport à tout ce qui concerne les douanes, l'octroi de mer, etc. Il faut les payer, hein, alors que ça ne devrait pas se faire. Je repars encore en Belgique, avec qui j'étais ce matin justement avec un fournisseur que j'essayais de négocier. Il a été super sympa de bien vouloir parler en français, parce que là aussi, la barrière, je ne parle pas le flamand, mais j'ai des amis, donc c'est vrai qu'il a été super sympa et qu'il est d'accord pour qu'on puisse collaborer ensemble. Je vais devoir partir en Italie au mois de mars aussi, et ensuite je vais m'absenter un certain moment pour me remettre à jour au niveau de toutes ces nouvelles technologies qui sont mises en place, parce qu'il y a des nouveaux logiciels, il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir. Le confinement ne nous a pas beaucoup arrangé, mais je fais aussi dans l'entreprise, même si on n'a pas acheté la machine chez moi, mais que les gens ont des machines qui fonctionnent, enfin, qui ont un petit problème dessus, je m'engage, je le fais déjà pour certains clients, je m'engage moi-même à prendre contact avec les entreprises avec où ils ont acheté, parce que certains ont acheté sur Internet, d'autres ont acheté ailleurs. Je m'engage à prendre la main, c'est-à-dire qu'ils me l'emmènent. Ce que je peux réparer sur place, je répare sur place, et ce que je ne peux pas, je téléphone en fait à toutes ces structures et ces fournisseurs. Ça me permet d'entrer en contact avec eux, de voir comment la machine a été vendue, dans quel contexte. Faut avoir le numéro de série, hein, sur la machine, et avec ça aussi de prendre le relais, comme ça, pour que les clients n'ont pas une triple facture. C'est vrai que ça me permet, sous la forme de mon entreprise, de la récupérer, de voir ce qu'il y a, d'en faire une vidéo, de l'envoyer aux différents fournisseurs. Et en fonction, ils peuvent me dire ce qu'il y a. Parce que j'en ai quand même qui achètent des fois. J'ai un ou deux clients qui ont acheté des nouvelles batteries toutes neuves à leur machine. J'ai les machines en boutique et les batteries sont neuves et ce n'est pas la batterie qui a le problème. Mais quand ils téléphonent, que ce soit en association ou chez les fournisseurs, eux, ils sont là pour vendre. Hein. Donc, ils leur disent, ouais, c'est la batterie qui est morte, vous rachetez. Ils rachètent et ce n'est pas la batterie, en fait. Quand moi, je regarde la machine, ce n'est pas une batterie qui est morte. Ça demande plus. Donc, c'est soit leur service technique me donne la marche à suivre, soit à ce moment-là, je m'occupe de rapatrier la machine en direction de l'association ou de l'entreprise du fournisseur qui a revendu la machine, et à ce moment-là, de voir comment je peux rendre ce service à cette personne. Après, c'est vrai qu'il paye juste si c'est le transport ou autre, mais il paiera en tout cas moins cher que prendre ça, passer à la poste, revenir, ça va lui revenir quand même à moins cher. Comme je dis, c'est toujours pour leur bien, pour permettre cette autonomie et l'efficacité chez nous, quoi, parce que ça existe. Exactement. Alors, on va laisser Madame Maisonce conclure, du coup. C'est passé, voilà. Bah, écoutez, vraiment,
Je pense que c'est ce qu'on s'est dit, on finit en beauté avec vous. Merci pour ce message, encore une fois, puissant à plein niveau. Merci de ce travail engagé que vous avez. Je pense qu'on va vraiment faire, voilà, vous êtes aussi le petit colibri qui fait sa part. Nous, on fera pareil, petit colibri qui fait sa part, pour en tout cas essayer de vous faciliter la tâche sur un certain nombre de dispositifs et de choses qui existent. Donc, il y a des acteurs institutionnels forts qui sont engagés aussi et qui proposent des dispositifs. Là, on va faire le lien, la mise en relation, les connexions pour que vous puissiez être soulagés d'un certain nombre de choses. Et encore une fois, enfin, moi, je n'ai que ce mot-là à la bouche depuis tout à l'heure. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je pense que ça permet de nourrir la réflexion de nombreuses personnes par rapport à tout ça. Et puis, au plaisir de vous recevoir très prochainement peut-être de nouveau en Guadeloupe. Au plaisir aussi d'aller pousser les portes avec vous sur la Guyane. Au plaisir de plein de choses pour permettre que voilà, votre entreprise puisse rayonner et aider le maximum de personnes par rapport à ces problématiques. Donc, vraiment, merci beaucoup. Le plaisir était pour nous. Je dis nous parce que je m'accompagne de toutes ces personnes invisibles que vous ne voyez pas, mais dont j'ai l'amour et l'envie encore d'aider. Merci. Merci. Est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres observations ou des petites choses avant qu'on arrête Moi, je resterai bien, mais c'est juste qu'il faut qu'on sorte, qu'on arrête le webinaire. Oui. En tout cas, portez vos lunettes de soleil chez nous, H24. Soyez conscient que vous avez des yeux, pas la vue, hein, vous avez des yeux. N'oubliez pas que pleurer, ça, c'est les larmes, c'est ce qui permet d'hydrater les yeux. Donc, n'ayez pas d'orgueil de pleurer, même si c'est dans un coin, mais vous faites les larmes sortir. Parce que les yeux ne sont pas là pour, j'ai envie de dire en gros, pour faire ce qu'il n'y a pas à faire. Les yeux sont là pour nous permettre de voir ce qui est à voir et pleurer en fait. Pleurez, aimez-vous et pleurez parce que c'est comme ça que vous hydratez vos yeux, c'est comme ça que vous vous faites du bien et portez vos lunettes de soleil chez nous quand vous en avez besoin. Osez mettre vos lunettes de soleil et puis considérez quelqu'un, à la limite un voyant vous coupe la route sur la route, oui vous savez que c'est un aveugle. Et celui qui est aveugle, voyez-le comme un voyant parce qu'il ne va jamais oser vous faire ça. Voilà. Non. Alors, elle est formidable, cette dame. Non, mais je pense que c'est bon. Hein. Là, la page Instagram, Facebook, c'est bon. Vous avez de nouveaux abonnés sûrs. Non, vraiment, merci beaucoup. Et voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je vais laisser Madame Olivia Maisance peut-être dire le petit mot de la fin. Et puis, découvrir l'optique autrement, c'est l'adopter. Voilà, ça sera moi ma petite conclusion. La conclusion est parfaite. Découvrir l'optique. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Et on espère vous mettre en lumière aussi sur Prospective Act et Concept Actitude Plus. Parce que vous le méritez, vraiment. Merci. Ouais. Moi, je dis merci à toutes les personnes qui ont participé. Merci. J'ai pas envie de nommer de nom parce que vous êtes chacune différente et chacun aussi différent. Et si vous êtes là, c'est parce qu'il y a une bonne âme en chacun et en chacune d'entre vous. Donc, merci à vous de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté la voix de ces personnes malvoyantes et non-voyantes. S'il vous plaît, aimez-les parce que... Ce sont des gens, quoi. Ce sont des frères, ce sont des sœurs, ce sont des voisins. Même quand ils sont chiants, c'est toujours un membre d'une famille. Et je dis chiant parce que c'est le terme qui n'est pas approprié. Parce que c'est les voyants qui parlent comme ça. Donc, voilà. Merci, Madame Maisance. Vraiment, merci. Ça a été une très belle rencontre. Et dire que je l'ai connue sur un webinaire aussi. Oui, c'est vrai. Mais je me suis dit que non, ce n'est pas possible. Il faut absolument... qu'on découvre cette belle initiative, cette, euh,
cette entreprise engagée que vous avez et la personne formidable. Parce qu'au-delà, voilà, hein, c'est pour vous, ce n'est pas qu'un business. Donc, je dis, au travers de votre parcours, vous mettez de l'amour, en fait, dans ce projet entrepreneurial que vous avez. Donc, pour toutes ces raisons, et vous êtes aussi, par rapport à cette question de handicap invisible qu'on a souhaité vraiment mettre à l'honneur aussi cette année, voilà, c'était impossible de ne pas vous avoir pendant cette semaine. Donc, vraiment, merci d'avoir répondu de manière favorable à notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Je serai en janvier en Guadeloupe. Ah ben parfait. On vous embarque en janvier. Voilà. Je serai en janvier et on pourra se voir. D'accord. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Ben, merci à tous les participants aussi. Merci aux participants. Merci à tout le monde. Merci. Vous avez pris. Et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci. Au revoir.